la guerre vous attend. Tu te dépêches. Tu te dépêches, dis. N'oublie pas qu'on va dans un milieu chic. Tant pis. On se présentera comme des dégueulasses. Et on fera encore mauvaise impression. La guerre vous attend. De ça, je m'en rentrerai chez eux. Léon Dubois, Nicolas Papas. Un de nos amis vous a rencontré déjà une fois à Marseille. À la prison, je crois. C'est possible. Pour quel genre d'affaire? Ben, un des Pastelli nous avait envoyé pour descendre un Rastelli. Mais il ne nous avait pas donné beaucoup d'indications, et puis, comme il n'y avait pas de concierge, on s'est trompé d'étage. On a sonné chez le préfet. Et ensuite, vous avez travaillé pour qui? Pour le Bosco. Il est mort. Et ensuite? Le grand Fernand. Il est mort. Quelle était votre qualification auprès de ces messieurs? Des gardes du corps. Oui, mais quand l'événement est arrivé, on était en déplacement. Eh oui, on n'était pas là. Mais je viens de le dire. Ah bon? Et alors maintenant, vous cherchez du travail? Quelle école? Le Silencieux. Et où étiez-vous tous ces derniers temps? En province. Jamais opéré dans la capitale? Non. Non. Parfait. J'ai du travail pour vous deux. Et si je suis content de vous, je vous engage définitivement. Mais j'ai beaucoup de projets. Quels sont vos prix par opération? Oh, d'habitude, c'est 3 000. Des fois, 4 000. Mais c'est rare, hein? Bon, vous aurez 5 000 francs pour commencer. Il est 10 heures.
Deux de mes hommes viennent de déclarer forfait, ils avaient peur que des gens les reconnaissent. Or, il n'est pas question de remettre le hold-up. Ça fait un an que nous étudions l'affaire. Aujourd'hui, à midi précise, un fourgon contenant 1 million. 1 million nouveaux. Mais pour vous, la mission sera simple. Vous serez posté juste en face de la fabrique. Et vous escorterez le fourgon une fois qu'il aura été capturé par mes hommes. Pas avant. Vous n'intervenez qu'en cas de coup dur. C'est clair? Ça vous fait peur? Pendant qu'il est encore temps. Quand on n'a pas la baraka. Alors, t'y vas? Ben oui. Ça y est, on les a perdus. Bah, puis quoi, bon, si je passe. Un peu, s'il vous plaît, monsieur. Ben, je reculerai si je veux. Oh, ben, allez-y, maintenant. Hé, vous! Ah oui, vous! Allez, viens lui donner un coup de main, là. Allez, hop! Allez, vite! Allez, passez-nous les sacs, là. Allez, vite, vite. Alors, ça va pas de temps. Laissez tomber. Hein. Allez vite, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Mais tu m'as demandé, on fout le camp. Laguerre vous attend. Ah,
dans son cœur. Tous des incapables. Ah, mais ils vont comprendre ce que c'est que de se foutre de moi. Un chargeur dans le ventre. Compris? Ils vont savoir à qui ils ont affaire. Ah! Vous avez entendu ce qu'a dit la radio? Comme nous l'avions annoncé précédemment, le hold-up de 100 millions n'a pas été récupéré par des policiers. Le quart de police qui a intercepté les sacs contenant l'argent avait été lui-même enlevé par des gangsters 10 minutes avant le hold-up. La police s'interroge. Pourquoi organiser un deuxième hold-up? C'est pas la même bande, imbécile. Aux dernières nouvelles, le quart de police immatriculé 9027HP75 n'aurait toujours pas été retrouvé. Ça, c'est un coup de la bande de Magnum. Mais j'ai besoin d'en être certain avant d'agir. Et aucun d'entre vous, tas d'imbéciles, n'est foutu de donner le moindre renseignement! Vous non plus, hein? Nous si, hein? Qui avait l'air de commander? Un brigadier. Enfin, un homme qui s'est... qui était habillé en brigadier. J'avais compris. Alors vous l'avez vu de près? Ben, surtout Nicolas. Comment ça? Forcément, il était juste à côté. Il y avait un type qui les aidait à décharger les sacs. Un pauvre type, là. Alors on a réussi à dégager la voiture et puis à filer. Et en passant près du car, j'ai eu juste le temps de voir celui qui les commandait. Il avait le nez écrasé comme celui d'un boxeur? Voilà. C'est Raoul Bertrand, le bras droit de Magnum. Ah, la bourrique! Ça ne pouvait être que cette ordure. Ça fait des années qu'on ne peut pas se piffer tous les deux. Mais le coup qu'il m'a fait aujourd'hui... Vous savez ce que ça signifie? Deux chargeurs dans le ventre. Mais par ici. Hey. Aucun de mes hommes ne peut l'approcher. Bertrand les connaît tous. Vous avez compris? Et c'est pour ce soir. Tous les jours à 8 heures, il promène son chien. Impossible de le manquer. Attention, jamais de face, il tire vite. Arrête. Décidément, je m'y reconnaîtrai jamais. La province, ça avait du bon, hein? Il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. Tu crois pas que ce soir, Raoul Bertrand pourrait nous reconnaître? Pourquoi, t'as l'intention de te mettre en face de lui pour le flinguer? T'es fou, non? Moi, décidément, descendre les gars, moi, je m'y ferai jamais. Oh. Quoi? Non mais regarde-moi ça, c'est pas possible. Ah, y a pas de doute, c'est leur voiture. 90-27 HP75, c'est eux. Allez, démarre, tourne. Qu'est-ce qu'on fait? On va régler nos comptes tout de suite. Je te suis, mais c'est risqué, hein? C'est lui. Allez, viens. Oh, les mains. C'est pas lui. Tournez-vous. Avancez. Les portefeuilles. Oh, les mains. C'est pas nous. J'ai dit les portefeuilles. Mon camarade va passer parmi vous. Ben quoi, vas-y. Allez. Merci, monsieur l'agent. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Merci bien. Merci, monsieur le brigadier. Bonsoir.
jardins et les squares, y a vraiment des gens bizarres. Quelle journée, hein? Et le plus dur reste à faire. En compte, on a encore 2 heures à attendre. Remarque, on n'a pas tout à fait perdu notre temps, hein? Dis donc à propos. Oui. J'aimerais bien que tu perdes l'habitude de remercier les gens quand tu fais un hold-up. Quoi, j'ai remercié, moi? Parfaitement. Merci, monsieur l'agent, monsieur l'agent. Eh ben, tu vois, ça m'a échappé. L'habitude de vivre chez les frères, hein, c'est quelque chose. Bon, c'est plus fort que moi, c'est instinctif. Chaque fois qu'on me donne de l'argent, faut que je remercie. T'as été au couvent, toi? Enfin, n'exagère en rien, quoi. J'ai été élevé chez les frères. Oui, monsieur. Ils t'ont viré? Non, je suis parti de moi-même. J'étais trop fier, je voulais pas faire la quête. Remarque que j'ai une physique. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit, moi. Bon. Ben, ils sont tous là, qu'est-ce que tu cherches? Le mien. Quoi? Oh merde, j'ai perdu le mien, dis donc. Ou alors on me l'a piqué. T'es sûr? Bien sûr. Tiens, j'ai plus rien dans les poches, tiens. C'est malin. Remarque, l'argent, je m'en fous, mais il y avait tous mes papiers dedans. Oh, c'est le bouquet. Évidemment, toi, tu t'en fous. Oh, complètement. Bah, bravo. Là, mets-toi à ma place. Si c'était moi qui avais perdu mon portefeuille. Ça, je m'en foutrais. Ah, non. Ah, bah, ça, c'est facile, tu renverses la situation. Bon, bah, ça va aller, il s'agirait de se mettre au travail. Il passera là. Moi, je serai placé là. Et toi, là. En face. En face de quoi? En face de moi. En face de lui. Évidemment. Bon. Une supposition, hein. Que moi, je me mette à ta place. Quelle différence? Aucune.
Osez, viens ici. Osez, viens ici. Tiens, regarde-moi ça, tout ça, c'est du chiquet. Ah, t'as fait des progrès en tir depuis la dernière fois. Ah, tu peux parler, toi. Ben, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? On se tire. Pourquoi? Téléphone à la guerre, il te le dira. T'as raison. Ça va. Couleur. Monsieur Laguerre vous attend. Bon, ben, juste le temps de nous préparer. Hein? Je suis pas pressé. Le principal, c'est que je vous ramène. Bon, pardon. Oui, oui, ils arrivent. Ben, ils sont là, juste en face de moi. Et oh, ils ont pris le temps pour venir, mais après une pareille réussite... Avancez, messieurs. Je comprends qu'ils aient voulu prendre l'air. Ah. Je serais très intéressé si vous pouviez m'expliquer vos méthodes. Car j'avoue que je suis étonné par votre succès. Ben, il faut dire que... c'était difficile. Oui. Ah. Je ne vois qu'une chose, le résultat. Cependant, j'aurais bien aimé savoir comment vous avez pu faire ça. Ça, c'est avoir l'idée de faire écraser Raoul Bertrand par un taxi. Ça, alors, chapeau. Encore bravo. Tenez, prenez. Antoine? Toujours rien, patron. Bon, je te les envoie. Les deux? Oui, les deux. Magnum et ses hommes ont disparu avec l'argent. On a quand même pu mettre la main sur l'un d'entre eux. Mais impossible de le faire parler. Et ça fait 6 heures qu'on le travaille. Je suis certain qu'avec vous, il sera plus bavard. J'ai besoin de savoir où la bande se trouve. Emmenez ces messieurs aux traitements spéciaux. Si vous arrivez à le faire parler, celui-là, vous êtes des chefs. Qu'est-ce qui vous a fait? Pas la peine de continuer. On a tout essayé. Bon, c'est bon, nous, on a des méthodes un peu spéciales. On sait, on sait. Et puis, on aime bien travailler tout seul. Bon, bon. Bon, bon, ça va, on a compris. On vous laisse. On vous souhaite bien du plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? On peut pas le laisser comme ça. Ah! Oh! Oh là! Oh! Oh là! Oh! Oh là! 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 Je vois le machin.
Et là... Alors, ici... Mais non, tu le mets trop bas. Monsieur Chapeau. Hein? Ils sont planqués dans une baraque en construction. Dans une maison en construction? Ça, jamais j'aurais pu y penser. À nous deux, monsieur Magnum. Caliber bullets don't just get lost. Everyone who opens his mouth should keep it closed. Keep it closed. Everyone who opens his mouth put his foot right in it. Right in it. It was the work of Joe LaGuerre. If I'm wrong, you can sue me. Oh, yes. I've decided we're all gonna get involved so that none of us will be jealous. They want war! They got it! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les hommes que la guerre a envoyés chez Magnum. Ah, que la guerre est jolie, mais mieux vaut mourir dans son lit. Quand je pense qu'ils sont partis à 7. Oui, eh ben moi je pense comme toi. Allez, on file. Écoute, avant on a quelques emplettes à faire. Allez, viens. Vous n'aurez rien, vous m'entendez? C'est terminé, le crédit. Mais... Non! Payez d'abord ce que vous devez. Ben, c'est tous les jours la même chose. Est-ce que vous pourriez nous faire crédit pour une cinquantaine de balles? Et toujours du 11 mm. Vous ne pouvez pas vous amuser au 22 long rythme comme tout le monde. Vous croyez que je vais pour moi, les balles? On vous a vous... jamais dit ça, monsieur Royer. Vous l'avez peut-être jamais dit. Mais c'est à quoi que vous le pensez? Ah non? Mais je n'invente rien. Regardez! Mercredi, 50 balles. Vendredi, 30 balles. Et lundi, 60 balles. C'est parce qu'on a peur de manquer. Ben bon sang, quand on n'a pas les moyens, il faut économiser. On aimerait, mais... Montrez-moi vos armes. C'est bien, ça. Elles sont en parfait état. Mais j'en prends soin, monsieur Royer. Bon, ben alors, je ne comprends pas. Parce que pourtant, une balle de 11 mm, ça vous fait déjà du dégât, et pas... Il faut toucher. C'est ça. Oui, ben bon, je ne veux pas savoir ce que vous faites dans la vie, mais je n'accepte plus vos ardoises. Justement, on était venu pour vous régler. Ah bon. Ah pardon. Excusez. Si vous voulez bien vous asseoir, je vous saute tout de suite. Naturellement, ça, alors ça, c'est une surprise. Faut pas m'en vouloir, pour moi aussi, la vie est difficile. Vous avez vu le hold-up? Le hold-up d'hier? On a lu. Oui. Ils ont enlevé près d'un million nouveaux, ils n'ont même pas tiré une rafale, pour faire peur, rien. Hein. Bon, alors messieurs, qu'est-ce que ce sera pour aujourd'hui? 50 balles. Ben, j'ai peur qu'on soit un peu juste. Mettez-en 100. Bien. Voilà. Et avec ça... Ça sera tout pour aujourd'hui. Très bien. Monsieur. Voilà, bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Allô?
Monsieur Magnum, please. Yeah, yeah. Shoot him. Shoot him! Hey, assassin! Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'autre terme. Ça respecte même pas les feux rouges. Il n'y a pas de feux rouges. Ben, il y en a eu un, c'était pareil. Mais ma parole, les automobilistes, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, et pour un oui, pour un non, ils vous rentreraient dedans. Et si vous élevez la voix pour protester, ben, ils sont prêts à faire marche arrière pour vous achever. Tu vas te taire, oui. Et ça y est, la guerre commence. Avant la guerre, c'était les tractions avant qui respectaient personne. Maintenant, c'est les 403. Et pourquoi tu dis les 403? Oui, ben, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est la deuxième 403 qui manque de nous écraser en 5 minutes. C'est pas la deuxième, c'est la même. C'est la même. Mais alors, on voudrait nous tuer? Mais qui? Les hommes de Magnum. Ça te dit quelque chose? Mais ils nous connaissent même pas. Là, maintenant, faut croire que si. Ah bon? Eh, dis donc, Nicolas, je sais pas si c'est ton idée, mais maintenant, je crois qu'il faudra aller loin. Loin, loin. Il faudrait surtout changer de département. Ah oui, t'as raison. Hein, c'est pas beau, la campagne, hein? Allons, allons dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Un petit apéro? Non, deux jus de fruits. Valérie. Deux jus de fruits. Alors comme ça, vous montez sur la capitale? Business? Ouais. Quel genre? Une boucherie. Ah, mais sérieux? Pour le compte de qui? La Gouira. Vous faites ça au forfait? À la pièce. Remarquez, vous seriez venu me voir avant, je vous aurais plutôt conseillé de travailler pour la bande à Magnum, hein. Ils sont beaucoup plus larges. Surtout depuis le hold-up d'hier. Ben oui, si on avait su. Seulement maintenant, je crois qu'il est trop tard. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? Oui, t'as raison. Ça serait maladroit. De toute façon, d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de pardon. Alors, pas de regret à avoir, hein? Bon, ben, hé, c'est pas tout ça, je vous parle que de boulot, là. Est-ce que vous avez bouffé? Pas eu le temps. Non? Ben, écoutez, je vous propose soupe, ragoût au faillot, une spécialité de la maison, et puis comme dessert, des oranges. Pourquoi tu parles d'oranges? Ah, ben oui, j'ai oublié que vous étiez superstitieux, oui. Bon, ben, je m'excuse, quoi. Dis donc, t'aurais pas un coin pour planquer la caravane? Quoi ça? On nous a beaucoup vus avec. Bon, ben, écoutez, pour vous dépanner... Valérie, conduis monsieur au 7. Tu vois, moi, ce qui m'aurait vraiment tenté, eh ben, c'est la cuisine. Eh ben, si tu veux, je t'engage. Trop tard. Je peux pas laisser tomber Nicolas. Déjà qu'on a du mal à s'en tirer tous les deux. Tiens. Mais si tu veux, je te prépare un menu. OK. Où on va? Au 7e sous-sol. Ah. Là où moi, vous ne serez pas dérangé. Vous connaissez la prudence depuis longtemps? Depuis qu'il a lâché ses affaires. Ah, c'est pas un homme pour vous. Les hommes pour moi, vous savez. J'en ai connu un. Ah? Et alors? Et alors? Tout le monde peut se tromper. Excusez-moi. Vous êtes gentil. Ah.
D'ailleurs, je suis vénarde. Encore heureux qu'il ne m'ait pas laissé avec un gosse. Plutôt que d'être en tôle avec lui, eh bien, je préfère rincer les verres de votre ami. Ah, voilà un qui a été malin. C'est un truc comme ça qu'il m'aurait fallu. Mais avec Léon, je m'en sortirai jamais. Ah, laissez-le tomber. Ah, mais c'est vite dit. Là-bas, là-bas. C'est quelqu'un comme vous qui m'a manqué. Pour m'aider. Vous auriez peut-être été moins vache que la prudence. Bon, ça, sûrement. C'est par là. Tiens, passe-moi un peu de Porto. Hé, mollo, mollo, hein. Sinon, ça va faire un plat cher pour ma clientèle. Voilà. Ah, je ne sais pas si j'ai mis assez de clous de girofle demain. Et on se met bientôt à table? Ben oui, ça a l'air d'y être, là. Ah, ma sauce est réussie. Tu sais que je me plais bien dans ta cuisine. Tu devrais me prendre à l'essai pendant une semaine. Tu te rends compte, Nicolas? 20 mètres de béton au-dessus de la tête, dis donc. On peut pas trouver mieux, hein? Combien tu veux de sucre? 2, tu le sais bien. Bah viens, qu'est-ce que tu fais? On est encerclés. Passe-moi les pistolets. Bah, c'est toi qui les as rangés. Où qu'ils sont? Faut sortir. T'es fou. Si on sort pas maintenant, on sortira jamais. Oui, mais moi je te suis, mais c'est risqué. Veulent vous voir. Monsieur, dame. Monsieur, dame. C'est peut-être pas très prudent. Ah non, mais alors là, je n'ai rien à craindre. Non. C'est la meilleure graine de petits voyous du quartier, pas vrai? C'est les mots, mais ils sont pas dangereux. Ah, tu les drives un peu? Oui, un petit conseil par-ci, par-là, mais moi, je ne suis qu'un retraité, hein, tandis que vous, des professionnels, arrivés, connus, venez, vous allez leur foutre plein la vue. Ranger tout ça. Et on n'arrose plus maintenant. Hein, Léon? Il a raison, c'est périmé tout ça. Et ce qui compte, c'est la précision. Écoutez-moi bien. Quand le coup part, l'attente de l'explosion provoque chez le tireur des mouvements nerveux dus à l'appréhension subconsciente au bruit et au recul. Ces réflexes peuvent être éliminés ou maîtrisés par la concentration mentale. Très important ça. Première démonstration, le tir de précision. Le tireur place le pied droit face à la cible. Le pied gauche se déporte à gauche, formant ainsi avec l'ensemble du corps un angle à 45 degrés. Inspiration. Le coup part. Inspiration. Pour le tir accéléré, le tireur doit acquérir la rapidité de l'éclair.
Dans la position assise, les talons sont joints, les pieds aussi près que possible des fesses. Les coudes prennent appui à l'intérieur des genoux, largement écartés, mais les bras sont tendus. Vous pourriez nous faire une démonstration? Jamais en dehors des heures de travail. Qu'est-ce que vous utilisez comme arme? Des lugères. Munis de silencieux, tiens. Regarde. Vous devez pas en avoir une vie monotone, toujours sur la brèche. Sur la brèche, je suis encore un peu jeune, mais dans 2 ans, je me fais tuer. Et doucement, oh là, oh. Les poursuites en voiture, vous en faites beaucoup. C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'avec la circulation actuelle, ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai, un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche et... Et des coups durs, vous en avez beaucoup? Oh, alors tiens, écoute-moi bien. Il y a 5 ans, on était encore une bande de 16 gars. Eh ben maintenant, on n'est plus que 2. Où sont les autres? 8 morts. Et 6 en tôle. Oui, mais il y a tout de même des exceptions, hein. Mais tu sais aussi bien que moi que la moyenne d'âge dépasse guère 30-35 ans. Ça, je peux pas dire, j'ai pas suivi les statistiques. Ou alors, d'accord, il y a ceux qui ont la chance de se faire épingler autour de 20-25 ans et puis qui récoltent les travaux forcés à perpète. Là, j'ai connu des centenaires, mais il faut voir leur morale. Pas beau, hein. La vie d'un tueur, c'est quand même formidable. Il est respecté, puis il y a les femmes. Oui, oh, les femmes, je dis pas. Mais quand il y a du travail, un mois de chômage, puis elle vous largue pour un fonctionnaire. C'est quand même plus marrant que d'aller à l'usine, non? Et les nerfs. Qu'est-ce que vous en faites des nerfs? Ça lâche. Pourquoi avoir choisi d'être tueur plutôt que plombier? Ça. Bon, allez, on se laisse pas abattre, on reprend. Vous savez l'heure qu'il est? Il est 3 heures de l'après-midi. Il y a un homme avec un chien qui vous demande là-haut. Encore? Oh, décidément, on s'en sortira jamais. Faudrait vous habiller, on va à une cérémonie. Vraiment tout fait, hein. Pas le moyen de faire autrement. Il est quand même méfiant, monsieur Laguerre. Se faire couvrir pendant l'enterrement de ses hommes. Il est pas méfiant, il est prudent. Regarde. Je crois qu'on peut descendre. Piquez, piquez, collez, gramme, bourrez, bourrez, ratata. 16, 17, 18, 19, 20. Ben, il y a dû y avoir une première fournée ce matin. Messieurs Papaz et Dubois. Vous avez raté une belle occasion d'en finir avec la bande à Magnum. Vous irez le descendre dans son nouveau repère. Monsieur Badin vous donnera mes instructions. Ben, on a déjà beaucoup fait. On ne demande qu'aux riches, monsieur Papas. Thank you.
Souvenez-vous qu'avec M. Laguerre, tant qu'on n'a pas tout fait, on n'a rien fait. Allez! Drôlement bien gardé, on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais, mais il faut quand même le descendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Bon. Hein? Allez. Fais gaffe, tu t'accroches après mon froc. Ah, moi, j'en peux plus, je redescends. Mais on est presque arrivé. Moi? Eh ben, plus je monte, plus j'ai le vertige. Mais et moi, qu'est-ce que tu crois? À droite. Oui, ben, je file où je peux. Thank you.
Sans moi. C'est vraiment un métier ingrat. Moi, j'avais vidé mon chargeur tout de suite, parce que j'aime mieux vous dire que pour toucher un gars qui court sur un toit dans l'obscurité, faut se lever de bonne heure. Et alors? Ben alors, il a bien fallu en venir aux mains. Vous nous aviez demandé de descendre Magnum, non? Et vous l'avez descendu. Ben voilà. Eh bien, bravo. Vous pouvez passer à la comptabilité. Ça fait une jolie somme. Cet après-midi, repos. Personne à tuer. Mais demain... Ici, 11h. Bonjour, mademoiselle Denise. Qui est monsieur Léon? Il y a longtemps qu'on vous a pas vu. Pas le temps. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Ben, comme d'habitude, vous allez me mettre quelques boîtes de conserve. Oh, vous n'achetez que ça. Vous en mangez trop, monsieur Léon. Oui, mais ça va vite emballer. Hein? Ah, tiens. Vous avez une boîte qui fuit. Ah tiens, mais c'est rare. Oui, eh bien c'est peut-être rare, mais vous me mettrez de celle-là. Oh. Tiens, celle-là aussi. Ben écoutez, vous allez me livrer, parce que je suis très 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 pressé. Chez la Prudence? Oui, c'est ça, chez la Prudence. Thank you.
Mais c'est moi, imbécile. Qu'est-ce qui te prend? Tu fais des exercices d'alerte? Non, mais on m'a tiré dessus quand je faisais les courses. Ouais? Oui. J'ai failli me faire descendre dans le magasin. Comme si c'était un endroit pour régler les comptes. Mais je vous préviens, hein. C'est la dernière fois que je vais faire les courses tout seul. Et qui c'est qui t'a tiré dessus? Je sais pas. Tu les as pas vus? Non, j'ai vu personne. Allons, Léon. C'est moi qui te ramène une surprise. Même pas un mot gentil. Oui, ben, je suis pas d'humeur, hein. À propos, combien ça va me coûter, cette surprise-là? Ah, la moitié, 985 francs. Eh ben, merci. C'est pratique, hein, ce petit engin-là. Dites, monsieur Léon, pourquoi vous êtes parti si vite tout à l'heure? Eh ben, je suis parti si vite, parce que j'étais pressé. Je vais préparer à manger. J'ai quand même apporté les tomates. Faut tout de même pas se laisser abattre, hein. Oh non, soyez sage, monsieur. Oh, bah, écoutez, je suis sage tout de même. Oh, monsieur Léon. Oh, ben quoi, on rigole, non? Oh, eh ben. Oh non, soyez sage. Oh, ce qu'elle est chatouilleuse. Oh, qu'elle est drôle. Ça sera pas mal la télé pendant le déjeuner. Et maintenant, une interview de M. Magnum, victime d'un odieux attentat. I'm in my room, ready to go to bed. J'étais dans ma petite chambre et j'allais me coucher lorsque j'entends un drôle de bruit. Je dresse l'oreille. Je me dis en même temps, mêle-toi de tes affaires. Et puis, je me dis qu'il faut quand même m'en occuper. Alors je décide d'aller voir. Je me suis retrouvé sur le toit. Il y avait deux gars en train de forcer une fenêtre de chambre de bonne. Des voyous. Ils m'ont poussé jusqu'au bord du toit. J'étais sans force. Ils m'ont basculé dans le vide. J'ai eu de la chance car je suis tombé dans les échafaudages. Vous reconnaîtriez vos agresseurs? Oh, yes. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, en ce qui me concerne, le temps de prendre un pyjama et hop. Oui, je crois que ça s'impose, hein. Mais vous parlez de quoi? Ma petite Denise. Il faut nous excuser, on va peut-être être obligé de partir un peu plus vite qu'on le pensait. Allez. C'est parce que c'est délicat à dire. Il faut. Ils ont un train à prendre. Voilà! Et vous l'aurez bien voulu. Non, mes frères. Tu t'es trompé. Quoi? C'est pas des frères. C'est quoi alors?
C'est des pères. Et comment veux-tu que je m'y retrouve? Ils portent tous la même robe. Mon cher neveu. Mon cher neveu, je suis heureux de te voir revenu parmi nous. Vous aussi. Oui, mais moi, c'est juste pour un petit moment. Hein. Expliquez-vous. Eh bien, voilà, mon oncle. Nicolas veut dire que la vie sur cette terre passe vite, si vite. En effet. Eh bien, j'espère que parmi nous, vous serez heureux de vous consacrer à la gloire de notre Seigneur. Mon frère, je crois que vous avez laissé tomber quelque chose. Eh bien, tu vois, ça fait du bien de travailler dans les bois. Oh. Un homme en bure, ça ne hausse pas les épaules. Tu sais ce qu'elle te dit, la bure? Chut. Parabole du bon et du méchant larron. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'insultait en disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, lui dit, tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal et il disait, Jésus, souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton royaume. Il lui répondit, en vérité je te le dis, dès aujourd'hui, tu seras avec moi. Dans le paradis. Mais tu peux pas dire bonsoir normalement. Excuse-moi. Bonsoir. Bonsoir. Aïe. Aïe. Non. Non, les gars.
que vous êtes en train de me faire. Je vais perdre toute ma clientèle, non. Non, je veux m'en aller. La guerre à vol à adresse, t'as compris? Mais je vous jure. Ils sont chez les frères. Hmm? Oui, non, je vous jure, ils sont chez les frères. Magnum veut les trouver. Non, 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 oui. Ils sont chez les frères. Au nord, nous avons visité la chapelle. À l'est, le bâtiment des moines. Considérons maintenant le cloître. Comme vous le voyez, ce cloître est de forme rectangulaire. Il mesure exactement 49,76 m de long sur 39,55 m de large. Je vous prie d'admirer la splendeur gothique des voûtes. Aménager une chapelle détruite, comme tant d'autres, hélas, par les révolutionnaires. Il s'y trouvait une piscine où, selon la légende, les sourds venaient tremper leurs oreilles afin de retrouver Louis. Et... La visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. Et la visite continue. Excusez-moi, mon fils, je connais mieux les lieux. Hey. Hey. Je souligne en passant que sur l'allée où nous marchons, le bon roi Saint-Louis aimait à faire sa promenade matinale. Avouez qu'on ne peut pas trouver mieux pour la méditation. Quel silence! Quel calme, quelle pureté d'air, quelle sérénité. On est loin des soucis de la ville. C'est vrai. Hein? À droite et à gauche, vous avez des plates-bandes qui n'ont jamais été piétinées. Jamais, jamais, jamais. Et malgré les invasions répétées des Huns, d'Attila, des Sarrasins, Et du reste, la majesté gothique de ce lieu en a toujours imposé à ceux qui nourrissaient de noirs projets. Voilà. Nous arrivons maintenant à l'endroit de la pièce d'eau où le bon roi Saint-Louis avait planté un chêne. Et malheureusement, il est mort aujourd'hui. À la place exacte où je me trouve, il aimait faire la justice. Oh! Oh!
Je crois qu'ils nous ont oubliés. Tu crois? Je crois qu'on va pouvoir rentrer maintenant. C'est le père supérieur qui va être content. Viens là, viens. Viens, mon chien, viens. Eh ben, je crois que cette fois-ci, ils sont tous morts. Eh ben, j'en mettrai pas ma main au feu. Dire qu'on aura eu drôlement la trouille tous les deux. Hein. T'en connais beaucoup de gens qui ont pas la trouille devant un revolver, toi? Ah. Ah oui. Et l'argent du hold-up? Bon. Comment veux-tu que je sache? Mon père, on va faire de la place. Hein?